Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Dans cette édition, nous parlerons du point du déroulement de l'examen du BPC 2021 fait par les cadres du ministère de l'Enseignement secondaire et de la Direction des examens et concours avec la plateforme Educ Master. Quelques heures encore pour célébrer la nativité, occasion pour les parents d'offrir un cadeau à leurs enfants. Vous suivrez dans ce journal le type de cadeau à offrir aux enfants selon leur âge et leur sexe. Vous suivrez également dans cette édition le point sur la conférence annuelle traditionnelle de Vladimir Poutine. Le président russe tenu ce jour avec un demi-millier de journalistes. Voilà pour le sommaire, le développement c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais en titre. Nous démarrons cette édition par grand propos où les cadres du ministère de l'Enseignement secondaire et de la Direction des examens et concours ont fait hier le point du déroulement de l'examen du BPC 2021 avec la plateforme Educ Master. Les détails dans cet atelier avec Jonas Bouchy. Cet atelier de grand propos évalue la gestion de l'inscription des candidats au BPC 2021 via le système informatique Educ Master, un système qui a révolutionné la gestion administrative de cet examen selon le directeur départemental de l'enseignement secondaire du Mono et le représentant des points focaux d'Educ Master. Grâce à cette plateforme, nous avons enrôlé des élèves réellement inscrits dans nos classes de 3e et plus. Nous avons pu noter un gain considérable et énorme de temps obtenu grâce à l'inscription en ligne et grâce à la dématérialisation des procédures d'organisation du BPC. Cela nous montre le génie dont le Bénin dispose jusqu'à ce jour et peut se prévaloir d'être une nation à considérer. L'efficacité de cette plateforme a été révélée par l'audace du directeur des examens et concours qui a pris le risque d'expérimenter cet outil informatique qui ne donnait à l'avance aucune garantie. La délicatesse et la dangerosité de ce que j'allais mettre en œuvre et dont le modèle n'existait pas pour que je puisse m'en inspirer et dont j'étais le seul à assumer les conséquences si éventuellement ça devait mal se passer. Cette entreprise a donné naissance à une réalisation technique, technologique qui fait battre beaucoup de records à notre ministère en termes de performance et de disponibilité des données de notre sous-secteur. Je pense que nous devons de poursuivre son peaufinement. La réussite de l'expérimentation confirme enfin l'optimisme du consultant d'Educ Master. Avec nos valeurs africaines, si nous nous mettons en plus ce que l'informatique, ce que l'automatisation, ce que la digitalisation nous apporte, nous devons être meilleurs aux Européens. Et sur le lieu, il faut vraiment féliciter le gouvernement qui, depuis 2016, a fait de la digitalisation, a fait de l'informatique toute une croyance divine de succès pour notre pays. Le directeur de cabinet du ministère de l'enseignement secondaire tire les leçons de cette expérimentation. Il revenait de dire que nous avons fait un très bon combat, nous avons mené le bon combat et les autres combats seront gagnés à coup sûr. Une autre leçon à tirer, c'est que quand la gestion va de pair avec la rigueur, nous réussirons. Maintenant que tout le monde est convaincu de l'efficacité de Educ Master, il faudra mettre à la disposition des points focaux les moyens financiers pour la connexion à l'Internet qui conditionne l'accès à la plateforme. Le Conseil des ministres s'est réuni hier en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs décisions ont été prises, notamment la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine en République du Bénin. Suivons ici un extrait du compte rendu du Conseil des ministres.
ministre, avec le secrétaire général adjoint, porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwédji. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine en République du Bénin. L'utilisation des tickets valeur à des fins autres que celles des services, cas du chef du service administratif et financier de la Direction départementale du cadre de vie et du développement durable Wemé Plateau, qui a dépensé 2 200 000 francs CFA de tickets valeur à des fins personnelles. Le non-archivage des liasses comptables, le non-reversement dans les délais des reliquats d'activité, le défaut de prélèvement et de reversement de la TVA et de l'AIB par certaines structures, etc. Ces manquements graves ont eu pour conséquence des moins perçus pour l'État s'élevant à la somme de 1 382 177 711 francs CFA, dont 88 889 578 francs CFA sont déjà remboursés. Les ministres sont instruits, chacun en ce qui le concerne, de faire mettre en débat par le ministre de l'Économie et des Finances les personnes qui en sont responsables sans préjudice des sanctions disciplinaires et ou poursuites judiciaires auxquelles les intéressés s'exposent. En point 2, recrutement puis formation de 2000 élèves agents de police, 2500 personnels des forces armées béninoises et acquisition de pactages et autres équipements au profit des recrues au titre de l'année 2022. Ces recrutements s'inscrivent dans le programme de renforcement des effectifs de la police républicaine et des forces armées. Ils permettent une meilleure gestion des défis sécuritaires, de même qu'ils participent de la consolidation du dispositif de défense opérationnelle du territoire national à travers l'activation de nouvelles unités territoriales et mobiles. Le Conseil a donc marqué son accord pour l'organisation subséquente des concours, de même que pour la formation et l'acquisition des pactages et autres équipements au profit des nouvelles recrues. La contractualisation pour les études de planification urbaine, d'aménagement, de programmation architecturale de Semen City à Ouida et de suivi des travaux de viabilisation de la tranche 1 portant sur 150 hectares du site. Initialement prévu pour être érigé sur un site de 189 hectares dans la commune de Semekpoji, les infrastructures de Semen City le seront finalement sur un domaine de 336 hectares dans la commune de Ouida, où l'espace nécessaire et convenable a été obtenu. Encore quelques heures et nous allons célébrer la nativité. À l'avant-veille du 25 décembre 2021, les parents s'activent à offrir un cadeau à leurs enfants. Mais alors, quel type de cadeau offrir aux enfants selon leur âge et leur sexe? Élément de réponse dans ce reportage que nous propose Dorcas Amanda. Le marché des jouets s'est déjà ouvert dans les villes du Bénin. Pour certains, la couleur est l'élément fondamental à prendre en compte dans le choix du jouet à offrir à un enfant, fille ou garçon. Généralement, tous les sexes ont droit à des jouets. Bon, c'est nous qui faisons ici la distinction entre filles et garçons en tenant compte de la couleur. Puisque généralement, on dit que la couleur rose est destinée aux filles et généralement ce qui est couleur bleue pour le garçon. Pendant que d'aucuns pensent qu'il faut offrir de simples jouets aux enfants, d'autres trouvent idéal de leur offrir des jeux de construction. Il y a des cadeaux, des jouets destinés uniquement pour la fille. Par exemple, les poupées, les jeux de perles, de tissage, de tricotage. Par contre, chez le garçon, c'est des voitures, des fois des pistolets sans bruit, non violents. Ce qui est bon de nos jours, c'est les jeux éducatifs. Il ne faut pas offrir tout type de jouets à l'enfant qui ne va pas l'aider à développer sa mémoire. Il faut offrir des jouets qui puissent leur développer l'intelligence, des jeux de construction. En tout cas, des jouets qui peuvent les accompagner dans l'éducation. C'est sûr. Ces jeux de construction sont constitués de plusieurs objets qui pourraient contribuer à l'accroissement de l'enfant.
Donc nous avons des tablettes, nous avons le Scrabble, nous avons la Monopoly. Les accessoires du docteur, le livre interactif, l'ordinateur, piano, les micros. Il y a les spécimens qui sont déjà dedans et l'enfant doit construire. Vous voyez, ça va l'amener à remuer les méninges. Nous éduquons les enfants, mais les jouets, c'est plus pratique. Il faut utiliser aussi les jouets pour leur montrer en fait ce que nous leur disons chaque fois. Tu vois un peu. Donc il faut des jouets qui puissent d'abord les aider à l'école et puis les aider à la maison pour que les parents puissent moins parler aussi. Malgré cette diversité de jouets, les clients se font encore désirer dans les marchés de jouets. Hors du Bénin, environ 4 heures d'entretien avec 507 journalistes. C'est un exercice annuel traditionnel pour Vladimir Poutine, le président russe, avec cette année les questions diplomatiques au cœur de cette conférence de presse, notamment les dossiers de l'OTAN et de l'Ukraine. Suivez. 4h et 55 questions pour cette traditionnelle conférence de presse de Vladimir Poutine qui a donc eu le temps d'aborder de très nombreuses thématiques, même si plusieurs questions ont rapidement évoqué la problématique ukrainienne. Vladimir Poutine a constaté le manque de volonté politique de la part de Kiev concernant la mise en œuvre des accords de Minsk et le président russe a assuré une nouvelle fois que la Russie ne menaçait personne et qu'elle cherchait uniquement à assurer sa propre sécurité. À ce titre, il a averti qu'une nouvelle extension de l'OTAN vers l'Est était tout simplement inconcevable. J'ai vu qu'un des éléments principaux aujourd'hui, c'est la stabilité sur cette partie du terrain et nous devons comprendre comment assurer cette sécurité. Donc ici, sans aucune ruse, nous avons cette question ouvertement. Il ne doit y avoir aucun mouvement de l'OTAN en direction de l'Est. C'est-à-dire que la balle est dans leur camp. C'est eux qui doivent répondre maintenant. À cet égard, d'ailleurs, je voudrais souligner aussi que dans l'ensemble, nous avons vu une réaction positive. Nos partenaires américains se sont dit prêts à commencer des discussions dès le début de l'année prochaine à Genève. Les représentants des deux parties ont été nommés. Et j'espère bien qu'on va continuer sur cette voie. Concernant la loi sur les agents de l'étranger, cette loi qui limite le travail de certains médias en Russie, Vladimir Poutine a tenu à faire savoir qu'il s'agissait à la base d'une loi américaine et que les autorités russes n'avaient fait que répliquer, que répondre de façon symétrique à cette loi américaine. Concrètement, il s'agit simplement pour ces organes de déclarer leurs sources de financement et au final, relativement peu de médias sont concernés. Nous ne demandons qu'une chose, c'est d'indiquer la source de notre financement. Il y a une question qui est liée à l'implication politique ici, qui est liée à la réglementation du travail. Oui. Nous avons 74 organisations qui étaient considérées comme agents de l'étranger sur 200 000 qui sont enregistrés chez nous. Donc c'est 0,034%. Donc on n'a même pas une rhétorique aussi sévère que là-bas, aux États-Unis. Tout au long de cette conférence de presse, il a été question de cette pandémie que nous traversons, des questions à la dimension parfois locale, tel ou tel problème dans telle ou telle région de Russie, et des questions à la dimension nationale à propos des mesures économiques et sociales adoptées par les autorités pour soutenir l'économie et l'emploi, l'emploi véritable priorité dans la lutte des autorités russes contre le Covid-19. Il a été question également de la crise du gaz. Vladimir Poutine a rappelé que Gazprom livrait tous les volumes promis, qu'il honorait tous ses contrats et allait même parfois au-delà en fournissant des volumes de gaz supplémentaires, et ce qui va à l'encontre des accusations occidentales qui sous-entendent que Gazprom livre moins de gaz que prévu. Il était question de très nombreuses autres thématiques telles que la démographie, l'inflation et bien entendu des situations locales dans telle ou telle région de Russie. Au final, une conférence de presse extrêmement dense, aux thématiques abordées extrêmement variées, qui a fait malgré tout la part belle aux problématiques nationales. Sans oublier de rappeler les lignes rouges de la Russie concernant les grands thèmes de l'actualité internationale que sont l'Ukraine, les relations avec Washington, mais aussi l'OTAN. En Grèce, l'injection de la troisième dose s'accélère. Problème, certaines personnes ne peuvent pas se déplacer dans les vaccindromes. Les autorités de santé ont trouvé une solution. Le reportage de nos confrères RT France. Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour recevoir la troisième dose, c'est elle qui vient à vous, en taxi.
En Grèce, dans cette ville de la banlieue du nord d'Athènes, des chauffeurs professionnels conduisent les soignants à la rencontre des personnes dans l'incapacité de se rendre dans les centres de vaccination. Parmi elles, une majorité de personnes âgées, comme cette dame qui a 74 ans, se remet d'une fracture lombaire. Elle se réjouit qu'un professionnel de santé puisse venir jusqu'à chez elle. Je vais recevoir ma troisième injection. Je l'aurais bien faite au centre de vaccination, mais j'ai des douleurs terribles et je ne peux même pas m'asseoir dans la voiture. Une vaccination mobile pour tenter d'éviter des cas de Covid-19 isolés. En Grèce, la mortalité due au coronavirus s'est aggravée ces dernières semaines, avec plus de 4000 décès depuis le 1er novembre, sur plus de 20 000 morts depuis le début de l'épidémie. Depuis le mois d'août, nous avons vacciné les personnes âgées et les personnes vulnérables, et nous en sommes très heureux. Nous avons effectué une centaine de vaccinations au cours de l'été, et depuis que nous avons recommencé à faire des rappels ces derniers mois, nous avons réalisé une centaine de vaccinations supplémentaires. C'est très important car cela permet de soutenir les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Mais surtout, depuis le variant Omicron, il est très important que les gens se fassent vacciner. Et pour les personnes qui doivent rester à la maison, il y a aussi une solution pour elles. À l'heure actuelle, 2/3 de la population grecque sont entièrement vaccinés. Et le nombre de rappels a augmenté ces dernières semaines. Près de 30% de la population ont reçu leur troisième dose. En plus de l'inquiétude autour du variant Omicron, une mesure prise par le gouvernement à la fin du mois de novembre pousse les personnes âgées à faire cette dose de rappel rapidement. À partir de la mi-janvier, les citoyens âgés de plus de 60 ans devront payer une amende de 100 euros par mois s'ils ne sont pas vaccinés. Deuxième jour de confinement en Chine pour les 13 millions d'habitants de la ville de Xi'an dans le nord du pays. Une mise sous cloche qui intervient à moins de 2 mois de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Regardez. Comme une impression de déjà-vu, avec un nouveau confinement pour 13 millions de Chinois. Les habitants de la ville de Xi'an, dans le nord du pays, ne peuvent plus quitter leur domicile jusqu'à nouvel ordre. Et les exceptions sont très limitées. Une seule personne par foyer est autorisée à se déplacer pour effectuer les achats de première nécessité, et ce, une fois tous les 2 jours. En ce qui concerne les entreprises, seuls les supermarchés, les commerces de proximité et les établissements médicaux peuvent rester ouverts. Des restrictions mises en place pour faire face à la résurgence de l'épidémie à Xi'an, où 52 nouveaux cas ont été recensés mercredi. Si ces mesures peuvent paraître drastiques, elles sont en accord avec la politique zéro Covid affichée par le gouvernement pour faire face au Covid-19. Une stratégie qui ne laisse rien au hasard. Dès que plusieurs dizaines de cas quotidiens sont détectés, tout est mis en place pour empêcher la propagation du virus. Une politique d'autant plus stricte que les Jeux olympiques d'hiver de Pékin approchent. Ils doivent débuter le 4 février prochain. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Twitter, Facebook, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.